Salut, bon, je vais te montrer avec la pâte Jeb, la pâte que j'aime bien, et la filasse, le chanvre, comment on va faire un joint à filasse, d'accord? Puis on va monter les vannes. Je suis sur une vieille installe de chauffage, sur l'occasion de te montrer ce que de temps en temps je montre. Bon, bref, voilà, donc tu te prends la scie à métaux. Ton filetage au départ il est lisse, bah, tu le grattes, mais il va costaud, hein. S'il résiste pas, bah, tu changes ton raccord. Donc tu grattes. T'entends là? Faut lui créer un grip. Au doigt, tu dois sentir là. Ça doit... Avant c'était lisse. Et puis maintenant, bah, comme tu l'as aligné. Voilà. Après, tu prends la filasse. C'est du chanvre. C'est super. Il n'y a pas mieux, ça dure 50 ans. Voilà. Quand une fois que tu fais un raccord, ben, tu l'as fait pour toute ta vie, hein. Ce sera tes petits-enfants qui vont le défaire. Voilà. Alors, je veux bien. Puis t'en mets beaucoup. Alors, hop. Donc t'en mets beaucoup. Tu tournes. Voilà. Moi, j'en mets des tonnes, hein. Alors, c'est simple, les raccords ils doivent tenir choc, hein, parce que comment on y va, après je vais tirer la pince là. Alors les raccords de supermarché, ben ils se fracassent, mais c'est de la merde, on s'en fout, on les change. Et puis c'est l'occasion de tester la solidité de vos raccords. Donc après tu mets ta pâte à joint, la pâte à joint Jeb là, la Jeb à tout, alors elle a plusieurs fonctions. Donc elle va aider au glissement parce que là le raccord là, il va souffrir. La vanne elle va souffrir, donc ça va tout tester de toute façon. On t'en met beaucoup, ça va aider au glissement, ça va aider bien sûr à l'étanchéité. Et puis ça préserve tes raccords, l'acier, tout ce que tu veux, du calcaire et de la rouille. Voilà. Donc après, va monter tes vannes. Fais d'abord à la main, la prendre le filetage. Et le secret, si tu l'as bien fait, faut que ça soit dur à visser. Si tu le fais tout à la main jusqu'au bout, c'est pas bon, tu refais tout. Donc tu fais bien comme ça. Si ça tire, c'est que c'est bon. Si tu vois que ta vanne, elle n'explose pas, ton raccord n'explose pas, bah c'est bon. Voilà. Non, ça va fermer comme ça. On est bon. Salut.